désespérant. Désespérant. Hein, t'en penses quoi? C'est beau, hein. Regarde, toi t'es bon, hein. Allez, petit départ qui a été fait à 2h du matin pour aller voir mon piti. Là, il est 5h40, on va essayer d'arriver à marée basse, tout simplement parce que c'est la passe la plus dure des îles de la société, donc pas trop se rater dans la passe de Mopiti. Il y a eu un échange de cars, ça s'est bien passé. On voit encore Bora derrière au loin. Là-bas, la belle Bora Bora. Et puis on est déjà sur Mopiti sur notre tribord. Donc voilà, ouais, la passe c'est pas évidente, c'est une passe très serré avec beaucoup de courant, donc elle est conseillée avec une houle de moins d'1,50 m, ce qui est le cas aujourd'hui, donc on va voir comment ça se passe. Elle est très longue et très étroite, donc c'est rock'n'roll. Je vais vous montrer ça en image sur la Yonix, c'est pas la fête, et on vous explique pas comment ça se passe dedans. Ah, il y en a qui se lève. Bonjour monsieur. Donc la passe ici, hein, qui est comme cela en version grande. Donc on peut le voir, hein, c'est un grand chenal très balisé qui monte jusqu'à l'île. Mais une entrée très serrée, il y a moins de 100 mètres de large. Il y a quand même des hauts fonds un peu partout. Donc dès qu'il y a une houle qui rentre ici, là, il y a un masque carré puisque le courant est sortant, c'est un peu le bordel. Salut. On arrive, il est quoi, 5h, 6h, à peine. Il fait bon. La passe de mon côté est juste derrière. Et c'est pas évident. On va se retrouver après.
mon piti. C'est sorti du temps. C'est dans un autre monde. Tu l'entends le silence ? Juste le bruit de nos tongs sur la route, c'est tout ce qu'il y a. Et les poules. Alors on s'est dit qu'on allait à la plage, qu'on allait manger chez Mimi, une locale qui fait une petite roulotte. Alors qu'est-ce qu'on va manger, on ne sait pas. Surprise. Mais bon. Ouais. Étape 1, râper la coco. Après l'avoir cassé. Après l'avoir cassé. Bon, ça donne à peu près ça. Étape 2, le coup du chiffon. On râpe le chiffon. Délicatement. Hop là. Et là, comment je peux faire délicatement. Allez, yes. Oups, yes. On remarque bien qui a les doigts, sensibles. Oui, moi. Prends pas de risque, hein, elle est costaud. Hein. Ouais. Elle peut être méchante des fois. Elle l'est tout le temps. Et elle l'est tout le temps. Et là, pipi. Et là, regardez-moi ça, la puissance là-dedans. Esti, j'ai peur. Et voilà. Récoltage du lait. Dans la bouteille. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait, Adrien ? Des nouilles au lait de coco. Des nouilles au lait de coco. Et ça, ça me parle. Ça, c'est pour la piña colada, c'est ça ? Piña colada ! Arriba ! Nice. That looks good to drink now. You will cook with this too? I'm debating. I was gonna make myself a cocktail. Tu nous expliques? You explain to us what you did? Just coconut water, rum, sugar, and lemon. Voilà, donc eau de coco, cocktail. Rhum, sucre et du citron. Et on fait quoi avec ça normalement? Manouilla, hein? Allez, Manouilla. Petit chin-chin depuis. Tu viens de manouiller la tête? Ah ouais. Mao Piti. Attends, je vais te donner. Ah, spillage. Non, spillage. Chin, Manouilla. 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 J'ai trop envie de t'aider. Voilà les loups. Bon, on n'est pas nombreux. Hein. Ah oui, joyeux Saint-Valentin. Oui. Joyeux Saint-Valentin. Ouais. Et Valentine. Ooh, there is no rubber, right?